Du coup, coucou YouTube, j'espère que vous allez bien, voilà, petit react au Pokémon Present du 27-02-2024, c'est parti, voilà. Je... waouh. Qu'est-ce que c'est que cette merde, je vais baisser un peu. Allez, c'est bon, vous êtes prêts? Là, je suis hype comme jamais, là. Allez, s'il vous plaît. J'aurais pas eu le seum de me faire spoil. Mais j'avoue, même Arkira il l'a vu, donc je m'étais dit putain, oh ouais, j'ai juste pas pensé à ça. Hello everyone, I'm Ishihara from the Pokemon Company. Today, February 27 is Pokemon Day. Qui sait lire le Zarbi? J'avoue, c'est un message codé pour un spoil pour la suite. Pokemon Green games were first released in Japan. Our adventures with Pokemon, which started with the simple fun of collecting, trading, and battling in the Pokemon Red and Pokemon Green games, have expanded to fit into so many facets of daily life, including walking and sleeping. We'll keep challenging ourselves to create new ways to enjoy Pokemon, and we hope you'll continue your adventures with us. Today, we will be bringing you all the latest news about Pokemon, including our newest titles. Mr. Utsunomiya, please take it away. Y a pas genre de petit spoil derrière. Après, y a quoi? C'est quoi ça? C'est genre non? C'est trop bizarre. Ok, non. Ouais, ça reste du Pokémon écarlate et violet, ça. Hein. C'est les DLC. I hope everyone has enjoyed their adventures in the Pokémon Scarlet and Pokémon Violet games so far. To commemorate Pokémon Day, we've planned a series of. Mais c'est une journée des raids Terra Crystal. Ok. Donc ils vont remettre les Dracaufeu Terra Crystal, les Tortantes et les ok, Tortantes qui font les arts. The first of these Terra Raid battle events will begin tomorrow. We hope you will all enjoy these raids. Ok. Bon, ça en vrai classique, ça. Rapide, efficace, y'a pas de soucis. Bon, j'avoue que c'est pas que je m'en fous, mais je. Please have a look at this. Là, je suis un enfant, là. Là, je suis un putain de gosse. Ok, bon, Pokémon Go, petite annonce, ça va être quoi? La suite de la 9G, je pense. A collaboration event with Pokémon Go is on its way. D'accord. Parce qu'en fait, ils ont mis la première partie des Pokémon de la 9G. Il y avait les starters, il y avait genre quelques Poké. Pikachu wearing Cap's hat is making its debut. Ok. It even knows an attack new to Pokémon Go. C'est cool les news Pogo. Mais c'est simple quoi. C'est simple. Ok, c'est les Pokémon du DLC. Ok. And Liko and Roy will be dropping vous destroy. Coucou à tous en tout cas, ceux qui arrivent, mettez-vous bien. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. Là ça regarde le Pokémon direct. Pokémon Present. Ok, donc c'était une série quoi? C'est une série YouTube Pokémon Les Horizons, je pense. Ok, donc là Pogo en vrai c'est cool, c'est simple, efficace. Ok, Pokémon Sleep. Donc là il parlait de marche, il parlait de dormir, pas de soucis. Y a des gens qui ont testé Pokémon Sleep ou pas dans le chat? Moi j'avais testé 2-3 fois et... Le problème, c'est que tu devais laisser le téléphone allumé, quoi. Genre toute la nuit, et j'avoue que c'était un peu relou, quoi. C'est l'animé sans Sacha. Ah, mais c'est les... Du coup, c'est la... Enfin, ok. Parce que du coup, Sacha, il est parti après la fin de Épée Bouclier. Bon, sa mère. Bah, bon, si jamais je peux... C'est Spook, ça. Je reconnais, c'est Spook. C'est Spook. Good Jax. Allez, bon, les trailers sont vraiment beaux, hein. Et ça a le mérite d'exister. Ouais, c'est bien. Ces petites news sympas. On dit pas non. Ok, après voilà. Hein. Si je peux dodo avec Raikou à mes pieds, t'inquiète pas que je vais télécharger Pokémon Sleep. Hein. T'inquiète. T'inquiète pas que je vais le faire. Hein. Ouais, c'est Mimi. Pokémon Sleep, c'est Mimi. J'aime bien. Moi, je trouve que c'est. Franchement, c'est sympa. L'idée. C'était un peu bafoué au début, mais je trouve que c'est sympa. Ça, tu vois, par exemple, j'ai pas accroché. We're the greatest in the world. Hey, you're the greatest and strongest partner I could ask for. Fight! C'est Silver du coup qui vient dans Pokémon X Master avec Peter? Ou non, okay, pas du tout. En fait, ok, donc c'est. Ça aussi, c'est l'application mobile, je crois, ouais. J'ai mis Raikou, mais pas Raikou. Ils ont pas mis la version des temps passés. En tout cas, même les trailers Pokémon, je trouve. Enfin, vraiment, c'est. Ouais, c'est Mimi, quoi. Bon, ok, Café Remix. Bon, en vrai, là, il temporise, hein. Je suis désolé, il gratte du temps, hein. En vrai, c'est mignon, vas-y, Café Remix. Mais, enfin, Café Mix, je sais pas quoi, mais c'est mignon, mais vas-y, c'est tout, quoi. Attends, pause. Non, les pauses. Oh, le disrespect des Topiqueurs. Des Topiqueurs sandwich, frère. Non, 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 c'est honteux, les pauvres.
Oh, les pauvres, ils se sont fait maltraiter. Et en vrai, c'est sympa, tu vois, mais tu joues un peu. Mais je crois, en plus, je crois que le jeu, il se jouait pas en... Si je dis pas de bêtises, il se joue qu'en portable, non? Tu peux pas y jouer en docké? Ça veut dire tes musiques, peut-être. En vrai, il y a un monde, hein, ce sushi, il y a un monde. Hein. Ok, Pokémon Unite, j'avoue que j'y joue pas, mais c'est sympa, je trouve, comme jeu. Peut-être c'est... Les Pokémon Masters sont très stylés. Tu joues, toi, Marvin? Aussi graphique de Café Remix. Ouais, bien sûr. Ah non, mais par contre, ouais. Pour le coup, y a aucune critique sur ça. Hein. Franchement, le style un peu pastel, dessin, est vraiment stylé, j'aime bien. Ok. Ok, bon, là, c'est des événements, j'avoue. J'avoue que c'est pas ma tasse de thé, Pokémon Unite, donc. Ok. Mais ça détruit ma sociabilité. Ouais, bah en vrai, c'est un peu un League of Legends. Enfin, du coup, c'est un League of Legends, mais version Pokémon, qui est beaucoup plus accessible pour les personnes qui connaissent pas forcément ce genre de jeu. Moving on. Please have a look at this. Attends, on est à combien là? On est à la moitié là. Les refs, on est à la moitié. Pokémon X les produits laitiers. C'est quoi ça? Nouvelle application? Oh sa mère! Oh c'est du... Oh! Ils vont refaire l'appli... Ils ont fait une refonte de l'application TCG. Oh c'est quoi cette merde? Oh putain, ça c'est de mon arrêt de mort ça. Ah ça vous savez pas, ça c'est de mon arrêt de mort ça. Coucou d'Orcan, comment ça va? Ah ça c'est... Eh, c'est fini hein. Ça je vous dis, ça c'est de mon arrêt de mort. What? Mais c'est... C'est le mec qui est avec sa daronne, disrespect. Allez, c'est bon. Hein. Oh maman, regarde, j'ai un sulfure à full art. Attendez, c'est quoi ça? Ouais, parce que Poco, il nous l'avait déjà fait, celle-là. Hein. Mais du coup, ils vont faire une refonte de l'application TCG? Ça, c'est trop bien, ça. Ça, par contre, trop bien. Ça, véridique, c'est trop bien. Pour le coup. Oh. Attends, exclu de carte là. Oh la quête, elle avait l'air banger par contre. Hein. Non, par contre, vraiment stylé de fou. Alors peut-être qu'il y en a qui en ont rien à foutre, mais en vrai, c'est stylé. C'est sympa l'application. Parce que c'est vrai que l'application TCG était pas ouf. Quoi. Ok, pas mal. Ça va en giga forme là. J'avais juste une hype, c'est de lancer ce foutu stream, Dwarkan. Vraiment, je voulais juste lancer le stream. Il y avait que ça qui m'intéressait. Mais putain, les cartes, elles sont belles. Hein. Ok. Et est-ce que... Waouh, non, ok, vas-y. Moi, ça me va. Moi, ça me va, deal. Hein. Parce que les gars, moi, j'ai des cartes code. Faudrait peut-être que je les utilise un jour. Hein. Ok, ça me va. Ça, c'est sympa, en vrai. Peut-être que les gens s'en foutent un peu. Mais moi, je suis content parce que... Avant, c'était un peu de la merde. Enfin, je trouve. L'application était un peu le puits à la merde. Ouais, deux boosters gratuits par jour, ouais. The Pokémon Company is developing this game as a three-party collaboration. J'avoue, regarde. Comment se faire niquer son date, quoi. DNA are partners in the development. Hey, regarde mon sulfura. Hey. Ah là c'est un coup, est-ce qu'elle se barre, hein. Est-ce qu'il se barre aussi? Ouais, c'est un peu un gacha en soi, hein. Mr. Kitano, mais après c'est relié, tu vois, avec les paquets de cartes, donc si tu trouves beaucoup de cartes. Hello, derrière après ça permet aussi de d'apprendre, tu vois, la stratégie sur le jeu de cartes et tout. Parce que le jeu de cartes, je trouve un peu sous-côté. Enfin, sous-côté, c'est-à-dire, c'est pas vraiment sous-côté. Parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs, mais la porte d'entrée, en tout cas, au TCG Pokémon est un peu faible. C'est un peu dommage. Je me dis, ça peut vraiment aider. Et bah, du coup, le Big Bad Cat. Faire ça avec. Bah, en go! Go Marina, propose! Surtout qu'en vrai, tu peux trouver des gens comme ça. Des tapis, des caisses à disco. Ils ont une date ou pas? Regarde, mais ce sera quand même cool. Ouais, c'est ça, bien sûr. Ce sera pas le même délire qu'avec, tu vois, des vrais boosters. Mais je trouve que c'est sympa qu'ils améliorent cette app. Parce qu'avant, c'était un peu de la merde. Hein. Faut le dire, c'était vraiment éclaté au sol. Puis, mais les cartes, regardez comment elles sont belles. Bon, par contre, je suis désolé, hein, mais ils temporisent beaucoup, hein. Pour un truc qui dure 12 minutes, ça temporise un peu beaucoup, quoi. Ouais, là, vraiment, je suis hype aussi. Parce que j'avoue que j'aime bien...
J'aime bien tout ce qui est cartes, etc. J'ai déjà fait des tournois IRL et tout. Three companies are all working hard to deliver a fun experience for those of you who already enjoy the Pokémon trading card game. Ok, bon c'est cool, une petite application, nickel. We hope you look forward to the results of our latest efforts in the world of Pokémon trading card game, Pokémon trading card game Pocket. Thank you so much. Du coup, arrêtez de... Là, ça parle. Ça temporise trop pour moi, là. Sortie prévue en 2024, ok. Pokémon Trading Card Game Pocket within 2024. Allez. Please look forward to more details in the future. Allez, s'il vous plaît. Just one more thing. Une dernière chose. We'd like to end today's Nous aimons clore cette... Allez, vas-y. Vas-y, bon, allez, c'est bon. Moi, je sais, mais bref. Coucou, Razi, comment ça va? J'aime trop les cartes immersives. Ouais, je trouve ça sympa. Moi, j'avoue que... Bah, en fait, l'application de base, je trouvais qu'elle manquait de quelque chose. Et ouais, peut-être que ce genre de choses, ça pourra aider. Et même le fait que ce soit une refonte visuelle, que les deux boosters vont vous faire par jour. Je pense que ça peut être sympa. Allez! Les training cards sur émulateur. Mais en vrai, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé sur ça. Avec le jeu, justement, de Game Boy. Allez, s'il te plaît. En vrai, dinguerie. Parce que moi, j'ai vu, mais je veux que ce soit une petite dinguerie, quand même. Que le jeu V2 sur PC. Ah ouais, non, mais le jeu sur PC, pas détestable, mais si, détestable. Allez. Image non tirée du jeu. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas lire. Plan de réaménagement urbain. Un monde idéal où humains et Pokémon vivent en harmonie. Nemelios. Ok, bah ça c'est. Du coup, c'est la 6G. Hein. Y'a pas débat. Du coup, tous les Pokémon de 6G. Du coup, c'est bien ce que j'ai vu, ouais. Bon, mais c'est bien ce que j'ai vu, du coup, j'ai dit Gassum. Enfin, y'avait l'air d'avoir pas mal de Pokémon 6G. Y'avait les starters 6G. Ouais, donc on est sur la 6G. On est sur la 6G, ouais. Ok. Coucou Sylvain. Du coup, là, c'est la. Alors, j'ai plus le nom des villes parce que j'avoue qu'on l'a fait, qu'en stream et c'était il y a un petit peu de temps, c'était il y a un an, je crois. Ok. Du coup, ça va être une nouvelle map Illumis, ok. Illumis, ok, plan de réaménagement. Et qu'est-ce qui va se passer là? C'est tout? Attends, tu te fous de ma gueule? Attends, c'est tout? Attends, c'est tout? Attends, du coup, c'est un Pokémon Legends dans la 6G? Waouh! Attendez. Non, il y a... Ouais, attends, il y a 5 secondes de plus. Ouais, ton... Bonne soirée. Mais putain, comment ça va, masse? Mais oh, sortie mondiale en 2025. Ok. Alors, donc déjà, ça veut dire qu'on n'a pas de jeu Pokémon en 2024. Donc, est-ce que ça serait pas le dernier jeu Pokémon sur Switch? Et que du coup, derrière, la 10G sera annoncée peut-être sur une autre console. En vrai, je pense qu'il y a un truc à se dire là-dessus. Je pense... Bah, moi, je pense que, ouais, ça... Mais même, tu vois, si c'est février 2025, je pense qu'après, derrière, il faudrait que tu chattes tes DM, car potentiellement, j'ai un truc... Oh, attends. Dis-moi ce que t'as comme truc. Attends, je te dis, masse. Ok. Attends, du coup, c'est quoi ça? Oh, le retour des méga évolutions! OMG! Ah, par contre, ça, faut dire, c'est pas mal. C'est la première fois de l'histoire qu'il y a 2 ans d'écart entre deux jeux. Ah ouais? Attends, il y avait. Il y a pas eu 2 ans d'écart entre. Ah non. C'est pas entre XY et Soleil. Non, parce qu'il y avait les remakes de Saphir Alpha et Ruby Omega. Ah ouais? Ouais, bien vrai, c'est qu'il y a les DLC aussi, ouais. C'est vrai que en vrai, les DLC comptent un petit peu comme des jeux. Donc c'est vrai que c'est la première fois qu'on va avoir une année sans rien. Donc est-ce que peut-être que Game Freak a écouté ma vidéo? Peut-être? Hop. Bienvenue, gros BG.
Oh, merci beaucoup, Lucas. Bonsoir. Bonsoir, coucou le Zonze, comment il va? Salut tout le monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Salut Melvin, merci à toi pour ton follow. Coucou tout le monde. Alors là, on était en train de voir le trailer du Pokémon Present. J'ai pas réussi à me faire spoil de la journée, d'accord? De la journée, je me suis pas fait spoil. Et genre, regardez. Non mais regardez, c'est une honte. Là, regardez, foutage de gueule. Genre, je clique sur la vidéo, qu'est-ce que je vois? Je vois ça. Non, foutage de gueule. Hein. Du coup, vraiment, je suis détruit mentalement. Je suis détruit mentalement. Salut tout le monde, salut Tommy. Salut Melvin. Bon, du coup, ça s'est passé comment là, Lucas? Ça a win un peu ou pas sur Rocket? J'aime bien voir. Ça a fait des petites streaks de win là. T'as réussi un petit peu à attraper le GC2 ou c'était chaud? Salut, on se pose. Alors, AIP, en vrai. Ouais, parce que c'est un Pokémon Legend. Parce que en vrai, Pokémon Legend Arceus, j'ai kiffé de fou. Après, hâte de voir. Parce que je suis pas non plus un bandeur de la 6G. Genre, j'ai bien kiffé Pokémon X, c'est très sympa et tout. Mais en fait, à voir ce qu'ils vont nous proposer. Mais bon, ouais, je l'achèterai sûr à 100%. Parce que, ouais. J'ai bien kiffé les Pokémon Legend. Bon, bah voilà. En vrai, vous en pensez quoi, vous, là, de tout ça, là? Ça joue un Pokémon ou pas un peu, Lucas? Ou Rocket, peut-être, je sais pas. Tu poses des questions qui fâchent. Ok, bon, pardon. Non, mais en vrai, le plus important, c'est pas le rang, vous savez. C'est l'ambiance sur les terrains. C'est ça. Non, ouais. Bon, après, hier soir, j'ai full loup sur Rocket League. Hein. Je suis descendu de D3 à D2, donc au calme. Hein. On est ensemble, les potes. Hein. On est ensemble. Le Z, ouais, il est intriguant de fou. C'est quoi? Ce serait version Z Alpha? Comme ça, je sais pas. J'avoue, le jeu me m'avait pas, mais tant mieux pour les gens qui adorent. Parce que t'aimes pas Pokémon X ou parce que c'est les Pokémon Legends que t'as pas forcément kiffé, Yuneo? Non, il est trop nul. Oh, et Melvin, je suis sûr. Non, mais Lucas, il va chainer, t'inquiète. Il a besoin encore de se remettre en route. Merci Tommy, merci beaucoup pour le follow. Bah écoute, en forme, Zonze. D'ailleurs, j'ai repris Valorant. Voilà, je tenais à me confesser aujourd'hui devant vous tous. J'ai repris Valorant. Voilà. Ma vie est compliquée maintenant. Triste vie, punaise, quel jeu. Non, mais Rocket League, je joue de temps en temps, quoi. Tu vois, c'est... Ouais, quelques petites games par-ci, par-là, quoi. Mais, ouais. J'évite de me casser le crâne dessus, hein, parce que je sais très bien comment ça va finir. Coucou, Elisa, comment ça va? Xerneas, mon Pokémon Pref. Ok, donc t'es vraiment hype de fou, hein. Mais, ouais, au perso... Ah, à Zygarde et tout. Après, j'avoue que j'ai... Enfin, oui, c'est ça, c'est Zygarde, etc., là, je crois. J'avoue que j'ai pas suivi ça. Donc est-ce que c'est une suite aussi à XY? Faut voir en vrai. Je suis à la fois deg et pas à la deg. Moi, ça va. Moi, en vrai, je pense que ça aurait pu être pire. Mais j'avoue que je m'attendais peut-être à mieux. Seulement Game Freak faisait 3, laissait 3-4 ans à leur équipe pour prendre un vrai classique, ce serait bien. Mais bon, l'argent fait faire des étoiles. Bah, des folies, ouais. Des étoiles, des folies. Ouais, non, mais je suis d'accord. Après, c'est en vrai, tout est plus compliqué que ça, hein, bien sûr. Hein. C'est honnêtement, on est dans un système où, comme je vous dis dans la vidéo, c'est basé sur la vitesse. Et malheureusement, il faut toujours produire plus pour avoir plus. Et sauf que bah derrière, Game Freak, tu vois, il pourrait se laisser le temps, il pourrait confier des jeux à d'autres studios plus régulièrement. Mais malheureusement, ils le font pas, quoi. Ils s'en branlent. Moi, j'étais bait par tous les arbitres qu'on voyait dans la vidéo. Tu t'es dit, vas-y quoi, remake 2G. Ah ouais, le gameplay t'attire pas du tout. Je comprends. Mais du coup, c'est vrai que alors je trouve que le overall, c'est un peu pauvre. Hein. Enfin, pardon, mais... En tout cas, merci beaucoup, Lucas. Merci beaucoup pour le raid, c'est adorable. Bienvenue tout le monde. Et n'hésitez pas à follow, du coup, Lucas, qui a repris les streams récemment. Du coup, ça fait quoi? Ça fait du Rocket? Ça va faire du Valo aussi, un peu? Ou... T'étais sur RL, tu me l'as pas dit? Bref. Ouais, je t'ai trompé, Arcaré. Je suis désolé, j'étais honte à moi, ouais. Bon, bah, écoutez, Ouais, je suis content, et en même temps, Ouais, ça va. Ça va. Je pense que... Il y a pire, il y a mieux. Voilà, je vais être très franc, il y a pire, il y a mieux. Coucou, c'est tout! J'ai regardé. Il y a pire, il y a mieux. Voilà, je suis content. Mais j'avoue que je m'attendais peut-être un peu à autre chose. Mais c'est pas mal, on verra. En vrai, on verra dès qu'on aura un peu plus d'images du jeu. Parce que là, on a aucune image, on sait pas. Et c'est ça qui m'embête aussi, c'est qu'on sait pas ce qui va se passer. On sait pas du tout, on a rien, on a aucune info. C'est un Pokémon Present où les infos, elles sont... Voilà, y a rien, y a juste des images qui sont pas tirées du jeu, donc bon. Quand tu joues, on pourra... Ouais, carrément, avec plaisir, Zonze. Petite 5-sack, tu vas voir comment je vous carry, je suis trop chaud, ouais. C'était ton début de semaine, Elisa. Je repassais bonne soirée, des bisous, ouais, bah, chez Blue ou chez Estia, Tommy, avec plaisir, t'inquiète. Merci pour le follow, ça fait plaisir. Il manquait quelque chose à XY, il y avait un scénar non fini. Ouais,
Mais après, tu vois aussi, je pense qu'il y a d'autres jeux qui ont jamais été finis potentiellement, mais je suis d'accord que. Ouais, XY, c'est vrai que je suis resté un peu sur ma faim. Après, je l'ai pas. Je l'ai apprécié sans forcément être addict, quoi. Le fait que ce soit Legend, ouais. Moi, c'est pour ça. Le fait que ce soit Z, ça va. Mais le fait que ce soit un Legend, moi, j'aime bien. Après, niveau histoire, j'ai rien à reprocher, mais je suis un basique quoi ? Je suis team classique, hein, je comprends, ouais. Non, mais je comprends. Et c'est pour ça que, tu vois, de base, je pense qu'ils en font un à chaque fois pour tout le monde. Et c'est vrai que là, au final, ouais, il y aura rien cette année. Il y aura rien cette année. Après, c'est en même temps, c'est pas plus mal qu'il y ait rien. Ça leur laisse du temps pour bosser, peut-être nous mettre un truc un peu plus costaud, quoi. Merci pour le lurk, Marina, c'est adorable. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Par contre, ça s'inspire du réaménagement de Napoléon et Haussmann. Take My Money, j'adore le style de cette période. Ouais, parce que du coup, XY, c'est la France. Je crois qu'il n'y avait pas un délire de map qui était pas fini, où il y avait un bout qui représentait une autre partie de l'Europe, ou je sais pas quoi. Je sais pas. Un portage de Urgold sur Switch. Je pense qu'il faudra attendre un petit peu, Amine. Pour ça, il faudra attendre, malheureusement, ouais. Faudra attendre. Lucas, merci beaucoup, Lucas, pour le raid. C'est adorable. Et bienvenue tout le monde, installez-vous, mettez-vous yimbe. Ça discute Pokémon, mais pas que ici, hein, vous inquiétez pas. Hein. Je suis pas non plus un bandeur de Pokémon, même si j'ai des cartes, j'ai les jeux. J'ai beaucoup de choses. Coucou Dracolos, coucou Douda. Comment ça va? Tant mieux qu'on n'ait pas un truc Johto, il y en a marre des premières gènes. En vrai, alors, pour le coup, on a... En fait, quand tu vois l'ordre des remakes, etc., ouais. Mais j'avoue que, par contre, l'idée où ils nous font des portages, j'aimerais bien... Que au lieu d'aller jouer sur des émulateurs, tu vois, ils puissent nous laisser la possibilité d'avoir, même tu vois, je sais pas, Ruby, Saphir, Rouge Feu, Vert Feuille sur Switch, ça pourrait être pas mal. Enfin, je crois pas qu'ils y soient déjà, je crois pas. Mais en vrai, j'aimerais bien. 5 minutes sur la pique carte Pokémon, ouais, par contre, alors j'ai kiffé, par contre, la pique carte Pokémon, j'ai kiffé, pourquoi pas. Reprends les. Ah merde! Et ça a été pas trop dur la reprise, Elisa. Putain, bon courage à ceux qui reprennent. Un petit coup, je reste en lurk. Oh merde! Mais merci, Trapnest. Merci beaucoup pour le lurk. Et force pour les soucis de couilles. J'espère que ça va aller. Une basic bitch. Mais ok. Ouais, une ouais, t'es une plage basique. Je comprends, Yuneo. Je comprends. ça marche à votre si. Bonne app à toutes, Boule Pollen. Bonne app. Ok, ouais, c'était peut-être le sud. Ouais, il y a moyen. Ça se passera que dans la ville principale, par contre. Que dans la ville principale? Mais du coup, est-ce que ça va faire pareil que Legend Arceus? Genre, on va rester dans le truc de base? Faut voir. En vrai, je sais pas. Du coup, j'attends. En vrai, j'attends quand même d'en voir plus, parce que là, pour l'instant, on n'a pas été... vraiment, pour moi, on n'a rien eu. En vrai, c'est pas méchant, mais pour moi, ce Pokémon Present, il était un peu... Moi, j'ai trouvé qu'il était vide, quoi. Donc bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Peut-être comme ça leur permet de prendre plus de temps. Mais je l'ai trouvé un petit peu vide, j'avoue. Voilà. C'est vrai qu'il y avait vraiment du lore pas exploité, ça fait plaisir. Bah, je trouve qu'il y a quand même d'autres jeux aussi où il y a du lore pas exploité, mais ouais, XY, honnêtement... Quand j'y ai joué, je l'ai trouvé pas fini. Voilà. C'est que je m'attendais à plus XY quand j'avais fait. Mais qui était un jeu très beau aussi à l'époque.